Bon. Je l'ai battu au truc d'entraînement. Ouais, il m'a battu au round 1, mais ça compte pas, tu vois, parce qu'il a triché. Oh, non, en fait, il a pas vraiment tout triché. Tout ça parce que je suis arabe. Il a pas vraiment triché, mais c'est moi qui suis un peu nul, donc en espérant que je gagne ce round-là. Oui. Donc moi, j'étais lui pochette, et lui, il en a pas. Oui, parce que je suis pauvre. Bon, regardez-le. Donc comme vous le constatez... Non, je vais couper. Non, tu vas pas couper. Si on coupe. Ok, tu coupes. Comme vous pouvez le constater, il m'a en dehors de ce côté-là, hein, c'est moi. Et c'est quoi toi ton nom? C'est Poney Magique 2303. Non, c'est pas toi, ça c'est pas toi. Ah, ça c'est pas moi. Toi t'es pas Poney Magique 2303. Alors dans le game, je vais m'appeler Marron 34. Ok, bonjour Marron 34, là. Pour mon honneur. Ok, Marron. Pour la famille. Marron VS Azura. Ouais. Merci. Bonne chance. Je fais jamais ça en temps normal. Hop. Oh là là. Ah. Oh la vache. Oh la vache. Oh là là. Oh la vache. Ok. J'ai fait 2, à toi. T'as fait 2. Ah, j'ai choisi de jouer en premier. Tu gagnes 2 mana. Et je gagne 50 000 mana. Moi aussi je gagne 2 mana. Non, attends, je vais les mettre ici. Je regagne 2 mana car c'est mon tour. Regarde pas. Et tu regardes pas. Oh non, il a vu. Oh non, c'est relou. Regardez pas. Ah. Ah, j'ai vu. Oh, c'est relou. En plus, j'avais même pas pensé là. Ferme les yeux. Ok. Non, attends, on va vraiment montrer aux gens ce qu'on a. Bah, ok. Donc, en gros, moi, je joue Croc Noir. Donc, vous pouvez voir ici. Je joue Croc Noir, mais là. Ok. Okay, je vais fermer les yeux. Moi, je joue RO. Donc, là, on est plutôt pas mal. C'est bon. Ah, c'est parti. Vas-y. Donc. Je commence par invoquer un Bob Marron et je sacrifie. Bob Marron. Oui, un blob, pardon. Bob Marley. Tu perds 3 mana du coup. Et je perds 3 mana et je termine mon tour. Ok, je pioche. Donc je gagne encore 2 mana. J'en mets 1 en O, 1 en R. J'en mets 3 O. J'invoque le dragonnet de la cascade. Il m'attaque. Et je lui équipe d'abord de la lame d'Eda. Ah! Donc, du coup, il a 5 d'attaque et il détruit ton bleu marron. Ah! Au revoir! C'est triste. Je termine mon tour, à toi. Oui. En vrai, quand tu penses, c'est super cheaté ta épée là. Ouais, je sais. 3 points d'attaque, c'est beaucoup. Oui, je pense qu'il faudra baisser. Non. Ça c'est un item puissant en fait, c'est juste que c'est pas parce que j'ai dessiné la première carte qu'elle devait être faible. Ah. Mais sinon après genre tu vois genre par exemple. Je termine mon tour. RIP. RIP okay. Ma vie. Je gagne 2 en mer et enfin genre du coup je paye les 3. Ouais. J'invoque le bloc blanc. J'active la forteresse des cieux. Ah. Oups, là ça va aller plus vite par contre. Oui. Plus de 1 attaque pour le blob blanc. Je t'attaque 5 et lui, du coup, tu prends 7. Enfin, 8, pardon. J'ai des problèmes dans le calcul. Je vais les manger. À toi. Vous pouvez voir, je suis à 12. En ah, PLS. Ah, moi je suis avant. Ah. Enfin, on voit pas bien que je suis avant, mais voilà. Bon. Donc je prends 2. Là ça va pas le faire tu vois. Je termine mon tour. Ah bah non t'es vraiment dans le caca ce point là. Genre comme moi tout à l'heure. Du coup j'en gagne 2 en jeu. Tu m'attaques encore? Oui. Bien sûr. Donc je suis à 4. Bref. Ah mais ton téléphone dit que c'est fini. Aussi 4. Ah il est là. Ah mon tour. À toi. Bon bien, bon ça. Je suis à combien de mana? À 15 000 pourquoi? C'est tellement ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'utilise les 7. Prends ok. Starfoufou. Réa, prince croc noir. Tu peux activer son effet qui te permet de chercher un jeune croc noir dans ton deck. Et oui. Je pense que je vais en faire plusieurs dans le jeu parce que genre si tu peux qu'invoquer un Marduk. Enfin, à la base son nom c'était juste jeune croc noir, mais je me suis dit je vais lui mettre un nom quand même. Okay. Et donc du coup c'est devenu Marduk. Ah bah croc noir. Il est là. Okay. Je mélange. Voilà.
Moi je lui remonte quand même. Je pense que Bellec a un mousse de la base. Hop là. Je sais pas comment je vais sous-titrer ça, hein. Ça va être bien à traduire. Oui. Et j'utilise l'équipement Amulette du héros. Qui me permet d'en avoir 3. Top 3 quand même. Donc j'attaque lui. Tu ne vas quand même pas faire ça. Tu es un monstre. Et j'attaque lui. Okay. Et je termine mon tour. C'est ce qui arrive. Ça fait combien? Ça fait combien? 5, 3. Ça fait beaucoup, ça fait 12. C'est beaucoup, moi je descends à 12. Regardez-le, il a 12. Ah, on regarde, il a 12. Ah. Toi, t'as 4 dans ta bouche. Et alors? J'aurais dû prendre. Retournement de situation. J'aurais dû prendre 2 Marduk, tu serais mort. À toi. Ok, alors je pioche. Oh. Ok. Oh. Mouais. J'invoque le dragon de la cascade. Et quand t'as 2 points de vie, bah je te tue. Ah, bye. Bye. À mon tour. À toi, ouais. Je pioche une carte, je vais te détruire ton terrain. Salut, mec. Je vais te tuer. Pourquoi tu le mets là? C'est là mon cimetière, toi. Tu... Et où? Oh, Jean-Pierre. Oh, je vais te taper. Hein. C'est, Donc, tous les crocs noirs gagnent 3 points de vie et 1 d'attaque. Ok, donc t'es une 13-6. Ah oui, je vais prendre 2 mana, bien sûr. Lamborghini, merci. Et j'attaque. Okay. Ça dégage tout ça. À toi. Je pioche. Ça dégage. Qu'est-ce que soit. Non. Je t'aime pas. Attends, je vais prendre ça. De peu, j'invoque l'esprit à rien et j'attaque. Attends, ah, ça passe à rien, t'as plus qu'un point de vie. Bah non, bah si, bah non, rien. Il a combien? Il a 7. Il a 7 plus 2, t'as plus qu'un point de vie. Ah bon, ça c'est un peu triste aussi. Par contre, ça va pas le faire tout ce mana en terre. Tu peux rater s'il te plaît. Alors, merci. Si je sacrifie celle-là. Ouais, tu peux la sacrifier, ça fait plus. Du coup, d'offre à son niveau, ça fait 6 mana. Attends, il a 7 lui. Moi j'ai 7. Et du coup, t'as 6. Enfin, ça fait 6 mana. Non, enfin, si j'attaque avec lui, ça fait. Ça fait qui? Est-ce que je peux sacrifier après avoir attaqué? Est-ce qu'il y a une sorte de stand-by de. Oui, quand même. Bah, tout le monde, en fait, normalement, tu peux faire le truc dans l'ordre que tu veux. Donc là, tu peux lâcher des combos du futur, vas-y, attaque, attaque, attaque. J'attaque, donc tape. Déjà. Et là, je lâche un combo, Dieu. Turfu, comme on dit. Okay, non, donc là, je sacrifie, ça me fait 7 mana, ça. Ouais. Donc je peux invoquer déjà ça. Non, ça t'en fait pas 7, ça t'en fait 6. Ça t'en fait 6. Ok, ça me fait 6. Donc déjà, ça me fait ça. Ça me fait... Ok, je fais ça. Ça. Donc là, 7. 7. Hop là, 8. Non, attends. 7. Oh, 3 plus 5, 8. Ok, et je peux encore en invoquer 1. Oups. Oups. En plus, j'ai plus aucun mana là. Ah oui, il réduit l'attaque des ennemis d'un point. C'est important. C'est à noter, oui. C'est à noter. Oui, je pose ça. Ah, mais c'est cool, ça fait une bonne partie. À la base, ça devait partir sur un truc de 5 minutes. Je oui. Au prochain tour, au final. Alors, j'attaque, donc ça fait 1, 1 plus... 2, ça fait 7. 7. Du coup, ça fait 5. Ça fait 5, ouais. On peut dire que tu es dans le caca. Là, c'est le téléphone qui m'a rappelé que j'étais vraiment dans le caca. Ok. Non, mais en fait, là, j'ai perdu tout le monde. Parce que je pioche. Tu vois, je gagne 2 mana. Moi, je les mets en eau plutôt. Et après, j'ai plus de mana. Enfin, après, je peux pas invoquer. Ah. 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 Je pioche. Attends. Ça dégage. Au revoir. Je peux invoquer au combien max déjà de monstres? Y a pas de limite. Ok. Bon bah c'est parti hein. Juste un instant. Je mets 2 mana en terre. Ah. C'est dans ça. Ah. Hop là. Je mets celle-là. Et j'ai gagné. Bravo. Bien joué. Il a envie de me tuer. Ok, deuxième round.